Benoît Menon est ici à notre invité. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue 100% femme encore une fois. C'est un vide chez vous. Nous vous espérons en bonne santé. Je dis nous parce que je ne suis pas seule. Je suis avec mes chouchoutes. Michel, notre femme. Cher sage, j'aime la couleur. Merci. C'est sympa. Merci. Doucement. Oh, c'était en rouge. Hein. Ah, comme. Je sens qu'on va faire une émission du tonnerre. Du tonnerre, n'est-ce pas? Et Stéphie, j'aime bien les couleurs, Valet. Merci. Comme ça, c'est très classe. C'est très sympa. C'est une bonne petite décathlon. Bonsoir. Stéphie nous parlera de reprendre sa classe à l'aise. Et puis avec Michel ce soir. Elle-même allait montrer. Voilà. Donc moi je suis assise là, j'attends que tu me montres. On attend et tout le monde, la nation entière, nous attend. On va se lever pour recevoir notre invitée. Elle se nomme Amenon. Amenon, venez. Conan Amenon Laetitia, venez. Bonsoir. Prenons place, très chère. Laetitia, c'est un nom que j'aime bien. Les Laetitia sont sympas, un peu fatigantes. Oui, chicheuses. Elles sont adorables. Elles aiment parler doucement, les Laetitia. Non, en fait, Laetitia, elle parle pas doucement. Elle parle fort. Tout bien, Laetitia. Effectivement. Lorsque j'ai dit ça. Laetitia. Alors, Laetitia, vous avez deux puits. Nous sommes un puits imaginaire d'or et de diamants et de saphir et de topaz et de toutes pierres précieuses. Tout ce qui est pierre précieuse. Vous prenez donc le premier puits d'or. Vous avez des questions. Vous mélangez et vous tirez donc 5 questions. Et vous me mettez, vous mettez les questions dans ce puits de topaz. C'est une pépite d'or. Voilà. Ça fait un mélange, une combinaison. Pour la Covid, pardon. Une combinaison. Les pépites d'or dans le puits de topaz. Ah, ça. Topiazor, ou quoi. Michel. Michel est terrible, mais on l'aime comme ça. Alors, on a les 5 questions. On va donc y aller, il n'y a pas de joker. D'accord. La vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui me fait douter? Souvent la peur. La peur? Effectivement. Il ne faut pas avoir peur, c'est une vie de l'esprit. D'accord. Ne réveillez pas Christelle. Pourquoi ça? Être une femme pour vous. Être une femme pour vous, ça veut dire quoi? Être une femme pour moi, c'est être responsable, s'assumer en tant que femme et également être un exemple de femme. Un exemple. Tout à fait. Alors, le regard des autres est-il important pour vous? Oui, le regard des autres est important. Ce que pense le peuple, c'est important? C'est important dans la mesure où ton image y va de droit. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous trouvez drôle? Qu'est-ce qui vous fait rire? Tout ce qui fait rire avec l'image. La comédie. Ces choses me font rire. Des choses là vous font rire. Très bien. Alors, avant-dernière question. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher, avant de dormir? Avant de dormir, je prie. Pourquoi un ferrage dans les questions? Et je médite. C'est une femme, une jeune fille bien. Elle dit qu'elle ne fait pas d'affairage, elle médite. Voilà. Sur son sel. Qu'est-ce qui vous met en colère alors? Qu'est-ce qui vous met en colère? Alors, je cherche. Parce que moi, bon, naturellement, j'ai un tempérament assez posé. Assez posé, d'où la voix effectivement. Qui tombe par terre carrément. Que la voix s'élève donc. Que cette voix sorte. Que cette voix sorte. D'accord, très bien. Donc, tempérament posé. On va continuer. À part la Côte d'Ivoire, y a-t-il un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Oui. À part la Côte d'Ivoire, j'aimerais vivre. En Angleterre. En Angleterre, vous parlez anglais alors? Bon, j'ai le basic. Basic.
Exactly. Good morning. Ouais, c'est ça. What is your mais on peut faire scolaire. Ah oui, on espère que, parce que pour vivre là-bas, sinon ça va être un peu chaud. Plat favori? Le foufou. Le foufou, on sait faire. Oui. La personne que vous rêvez de rencontrer? Jackie Appiah. Actrice ghanéenne. Voilà, très très belle. Très très belle. Votre artiste préféré? Dena Moana. Et la couleur? Le bleu. Ah oui, c'est rare de voir une femme aimer le bleu. Oui. C'est assez particulier. Quel genre de bleu? Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. Le bleu roi. Le bleu roi, oui. C'est magnifique. C'est une couleur très douce. Très douce. Oui. Comme vous. Ça reflète la douceur. Oui. Et c'est une couleur froide. Oui, c'est une couleur froide. Effectivement. Très bien. D'accord. Et c'est la couleur du ciel. Oui, mais que votre voix soit chaude. Hein. Combien de frères et sœurs déjà? Bon, j'ai 3 sœurs. Au total, nous sommes 4. Et vous, vous êtes là? La deuxième. Que des filles. Que des filles. Et comment vous gérez? Quand on est en milieu, comment on se sent? Comment on se comporte? Bon, mes sœurs sont très cool, elles sont gentilles. Mmh. C'est bien. C'est très bien, nos relations sont super bien. Très bien. Vous avez eu un premier amour? Pas du tout, pas en tant que telle. Mais comment on doit comprendre? Pas du tout, pas en tant que telle. Il faut savoir où tu habites. C'est un peu bizarre mélangé. Donc. Bizarre mélangé, enfin, comment on comprend? Là, je m'explique. Voilà. D'accord. En tant qu'être humain, il peut arriver des fois où vous êtes faible pour quelqu'un. On a des? Des faibles. Des faibles. Ah, un faible. Mmh. Un faible, ok, très bien. Pour quelqu'un. Donc, j'ai eu à aimer, mais j'ai fait fi de cet amour pour me consacrer à mes études. D'accord. Ne dit-on pas qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois? Si. Donc, c'est dans cette optique que j'ai opté pour mes études. I love the level of language. Ok, on j'aime attend. J'aime le niveau de langue. J'aime le niveau de langue. Alors, une photo. Wow. Ça a pu, hein? Oh, Michel! On peut faire ça! Oh, non, mais pourquoi vous êtes. Le chapeau passe sous le menton. J'avais un chapeau comme non, ça quand j'étais enfant. À l'époque, c'est comme ça, quand on est bébé. Oui, moi aussi, j'avais ça. Avec les fleurs derrière. Mais ça le cas, je n'étais pas flatté. Attends, ça passe comme ça, c'est ça? Oui, j'ai un collier. Oh, ok. On peut faire ça. Oh, non, j'ai un collier, ne les écoutez pas, c'est elle est bébé, les parents. C'est ça le problème avec les parents. Ils prennent les enfants comme des poupées. Je ne comprends pas. Deuxième photo, là c'était. On a une poupée en main. Oui, là c'est. Noël donc. Oui. Ok. J'avais 5 ans. Tout sourire, hein, regarde le sourire. Et encore un chapeau. Le sourire est vrai, il est franc. Ah, mais non. Elle a un très très beau sourire. Merci. Alors nous avons quelqu'un qui va nous livrer quelques petits secrets. Sur vous, elle se nomme Sandita. On écoute. Donc Laetitia, c'est une amie d'enfance. Ça va faire plus de 15 ans qu'on se connaît. C'est une personne très sociable, très gentille, très altruiste. Vraiment superbe. Côté qualité, j'aimerais ressortir 2 choses chez Laetitia que je trouve extraordinaires. C'est sa générosité et sa douceur. Elle est très très douce. C'est pas une fille à problème en fait. Pour les défauts de Laetitia, je pense que c'est une personne assez timide et réservée. Donc prenez soin d'elle sur le plateau de peur qu'elle soit en stress et en panique. Pour ses traits de caractère, j'ai parlé de sa détermination parce que Laetitia, lorsqu'elle veut quelque chose, elle se donne les moyens pour atteindre son objectif. Et je trouve que c'est très bien pour une jeune fille de son âge. Ton amie, elle est belliste. Elle a vécu en France? Elle est en France, présentement. Ah, je comprends, j'ai tout compris. Mais oui, mais regardez le niveau de langue. Oui, franchement, parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Ah, ensemble. Non, mais c'est très, très bon le niveau de langue. Vous lisez beaucoup? Oui, j'aime beaucoup. Très bien. Votre amie dit que vous êtes ambitieuse, vous êtes très douce. Oui. On ne pourra jamais vous entendre crier quelque part? Pas vraiment. Une fois, quand même. Mais vous, le pas vraiment, il faut que j'arrive à le cerner. Ça dit que ça peut arriver, mais c'est. Il y a des moments où on crie. Il y a des moments où ça va venir. Pas vraiment, elle n'a pas dit. Pourquoi tu veux forcément que la fille. Ça va venir. Il y a des moments où elle va crier. Ça vient. On va progresser. Notre invitée est douce et notre. Voilà, Sandy l'a dit très douce. Ça ne viendra pas. Hein. Elle est jalouse. Et on reste avec Stéphie. On reste avec Stéphie qui nous parle de. Reprendre sa classe, acte 2, jingle.
Voilà, on avait évoqué il y a quelques jours le fait de reprendre sa classe. C'est vrai que ce n'est pas facile et que parfois, on n'arrive pas à s'habituer à la situation, même après 3-4 mois d'année scolaire. Mais il va falloir vous ressaisir. Alors, c'est l'opportunité justement de réussir cette année. L'année précédente, vous l'avez complètement raté, mais là, c'est votre moment, comme on le dit, c'est le moment. Alors, il faut y aller, on ne baisse pas du tout les bras. Vous connaissez déjà le programme. Tome 2. C'est un avantage. Ça, merci pour l'expression. Un piège, hein. Oui, mais on connaît déjà. C'est un avantage si on se concentre, en fait, voilà. Mais si on se dit, non, je connais tout, donc là, l'échec peut être déjà envisagé. Mais vous-même, vous devez savoir ce qui n'a pas fonctionné et qui a emmené justement la reprise, l'échec scolaire. Une fois que ça, vous savez plus ou moins dans quelle matière vous avez été faible, dans quelle matière vous vous êtes amusé, parce que ça arrive, il y a des matières qu'on ne considère pas du tout, et puis après, on se retrouve avec de mauvaises notes. Donc, une fois que vous avez fait votre bilan, c'est bon, vous avez votre programme de l'année, vous pouvez y aller pour envisager d'aller en classe supérieure. C'est important. C'est un défi à relever et il faut bien entendu, comme je le disais tantôt, vous organiser pour ne pas reprendre les erreurs de l'année précédente. Alors, redoubler à ses avantages, déjà on gagne en maturité. Déjà, comme je le disais, on connaît le programme. On peut combler efficacement certaines lacunes si on ne s'amuse pas, bien entendu. Et puis après, vous allez voir que ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Je n'ai pas le nom, malheureusement, mais il y a tellement de personnalités qui ont repris leur classe, mais qui sont aujourd'hui parmi les meilleures dans ce monde. Faut pas avoir honte. Voilà. Non, mais c'est rien du tout de reprendre. C'est une très, très belle thématique. Voilà. En tout cas, merci. Tout reste à apprendre. Et puis, bonne chance. Transformez vos échecs en réussite. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Stéphie. Voilà. Oprah Winfrey disait que lorsque vous échouez, c'est un moyen pour Dieu de vous dire qu'il y a une autre façon de faire. C'est tout ça. Simplement. C'est ça. On ne s'arrache pas les cheveux. Alors, parlons de la carrière, de votre vie professionnelle. Pour l'instant, vous êtes conseiller client. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Plus tard, j'aimerais être une grande journaliste ou animatrice, tout comme vous. Pour être animatrice, il faut déjà ça doit sortir. Fort. Libérez les cordes vocales, la parole. Avec le travail, ça y est. Oui, avec le travail. Et ce qui fait que ça ne sort pas, il y a pas mal de... Il faut avoir la confiance en soi. Effectivement. La voix, c'est un tout petit filet. Et dessus se greffent nos émotions, on part un peu dedans. J'ai dit que Christelle commence, on va faire là. Donc, si vous voulez être animatrice ou journaliste, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui vous a marqué et vous vous dites, je dois faire comme lui ou comme elle? En fait, je ne peux pas expliquer cela parce que je suis attirée par ce métier. Dans le métier. Vous sentez des prédispositions naturelles. Ça s'appelle la vocation. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Très bien. Et quels sont les moyens que vous donnez pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Bon, là, déjà, j'essaie moi-même de travailler, de suivre également ces personnes qui sont déjà dans ce domaine. Et aussi, j'ai toujours voulu travailler dur pour atteindre mon objectif. Donc, moi, je crois qu'un jour aussi, je serai une grande journaliste ou animatrice comme vous. Et ça va venir. C'est bon, c'est déjà bien de programmer. Maintenant, il faut travailler à ce que le programme devienne réalité. Donc, il faut se trouver un mentor. Il faut entrer dans une école de formation. Oui. Et puis, ça va glisser. Et puis, ça va venir tout seul. Voilà, c'est déjà planifié ici. Si vous le visualisez, si vous le voyez là, vous allez le... Bon, enfin, bref, avançons. Tu sais, Christelle, elle me fait penser justement à une dame de la télévision qui est maintenant d'Afrique du Sud, non? Elisabeth Tano. Ah oui, le sourire. Ah oui, même la voix, la douceur, se poser, voilà. Mais Elisabeth, ça peut parler un peu fort. Un peu fort, voilà. Regardons là. Alors, il s'agit de quel groupe? Bon, il s'agit du groupe... C'est dans la structure dans laquelle je travaille présentement. Ah, okay. C'est lors de la formation.
D'accord, conseiller client dans cette structure-là. Oui. Et ça se passe bien, ça l'ambiance passe bien. Dans la team. Oui, ça se passe très bien. Vous appartenez à des associations? Oui, à une association. Laquelle? Amazon du Web. Les Amazons du Web. Ok. D'accord. Très bien. Et bon. Qu'est-ce qui se passe comment là-bas? Bon, pour commencer, c'est une organisation qui vise à promouvoir les jeunes filles dans le domaine des TIC. Très bien. D'accord. Ok, super. On se connaît alors? Moi, je me connais un peu. Et tu se connais alors? Dis, on se connaît peut-être alors. Ah, pas du c'est tout. C'est possible. D'accord. Off, on va peut-être voir à quel point. Antoine te dit qu'elle ne te connaît pas. Alors, on va donc, justement, la dame qui disait on se connaît, c'est une influenceuse, surtout dans le domaine de la santé. Et justement, on va lui donner la parole parce que l'instant est très important pour les femmes. Il s'agit de l'autopalpation. Je rappelle que nous avions déjà parlé du cancer du sein. Et c'est très important d'en parler parce que très répandu sous nos tropiques. Ouais. Michel Bantokwame avait fait une promesse à la nation ivoirienne et au monde. On va voir ça. Elle avait promis justement, parce que c'est une femme qui tient parole, de faire l'autopalpation elle-même. C'est fait tout douce. Pas elle-même, sur elle-même. Non, on a des schémas. Allons-y, Jingle. Toutes les jeunes femmes, toutes les femmes à partir de la puberté doivent pratiquer l'autopalpation des seins une fois par mois, de préférence après les menstrues. Donc, lorsque vous faites l'autopalpation des seins, qu'est-ce qu'on recherche? On se met d'accord. On recherche une modification au niveau du sein. Donc on va regarder le téton, est-ce qu'il est normal? On va regarder l'aréole. L'aréole, c'est la partie noire qu'il y a autour du téton. Est-ce que c'est normal? On va regarder la forme même du sein. Est-ce que le sein n'a pas changé? C'est vraiment important de connaître son corps. Ça veut dire qu'il faut avoir l'habitude de regarder ses seins pour pouvoir pour comprendre savoir qu'il y a un changement. Chose. Voilà, qui ne va pas. Donc, on va rechercher ça. Et pour finir, on va faire pression sur le téton pour voir est-ce qu'il n'y a pas qui sort de ça. Donc, pour faire l'autopalpation des seins, c'est très simple. Voilà. Après les règles, sous la douche, après la douche, vous mettez toute nue devant le miroir parce qu'il faut avoir les seins. La poitrine dégagée. Voilà, la poitrine dégagée. Donc, le sein est là. Donc, on est d'accord. Je vous montre ça. On va diviser le sein en 5 parties. Donc, on a le cadran supérieur droit, gauche, le cadran inférieur droit, le cadran inférieur gauche et enfin le téton qui est la 5e partie. Donc, pour faire l'autopalpation, on va utiliser nos 4 doigts. Donc, le pouce ne va pas fonctionner. On va le plier sur ces 4 doigts qu'on va utiliser. Donc, lorsque on va plaquer ces doigts-là, il faut vraiment les plaquer de sorte que hein, le sein, si vous voulez, soit plaqué contre la cage thoracique. Voilà. Donc, comme il est divisé en 4, on a la main derrière la tête. Donc, c'est la main gauche derrière la tête. Donc, c'est le sein gauche que je vais examiner avec la main droite. Donc, la première partie, le cadran inférieur gauche qui est là, je vais plaquer mes 4 doigts. Voilà, contre la poitrine et puis à la recherche d'une boule. Dans le sein, on est d'accord qu'il y a une boule. La boule qu'on recherche là, c'est une boule qui n'est pas là, qui n'est pas normale, qui n'est pas là d'habitude. Elle est grosse, elle peut être dure. Donc, je vais plaquer, voilà, le premier cadran, tout doucement, faites de petits mouvements circulaires. Après, j'arrive au deuxième cadran, fais pareil. Troisième cadran, le quatrième cadran. Toujours les mêmes mouvements circulaires à la recherche de boules. Et on va finir, vous voyez la dernière image là, on finit le cinquième point, n'oublions pas c'est le téton, en faisant une légère pression sur le téton. On est devant le miroir hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas de pus, il n'y a pas autre chose qui apparaît. C'est quelque chose de simple qu'on fait en moins de 5 minutes, mais qui pourtant peut nous aider à savoir s'il y a quelque chose Tu n'as pas fait la pression, on n'a pas vu la pression. Okay. Oh non. À savoir s'il y a quelque chose de dangereux. Comme je le disais, la mortalité est très élevée. Très élevée, oui. C'est de 75% parce que c'est découvert en phase terminale. Il ne faut pas seulement attendre octobre, mes amis, pour afficher octobre, sur son profil Facebook un ruban rose ou bien faire des photos, dire que non. Soi-même, chaque mois après les règles, il faut le faire. C'est important. C'est important de le faire. Merci beaucoup, Michel. L'information était capitale et c'est
tellement important que... Et ça a été bien expliqué, hein. Il faut diviser et tout, Et pour revoir l'émission, vous le savez, il faut simplement aller sur YouTube, vous tapez et vous allez revoir donc l'explication de Michel. Merci, Michel, thank you. Oh, you're welcome. Alors, amenant une fille Yacouba qui parle l'anglais, c'est beau à voir. Amenant, c'était bien. Vous aviez l'habitude de le faire. Est-ce que vous l'avez déjà fait, l'autopalpation? Non. Vous en avez entendu parler? Oui, oui. Très, très bien. En fait, alors, c'est le truc, tant on pense toujours que c'est aux autres que ça arrive. Il faut prévoir, il faut le faire. C'est pas pour les autres. C'est très important. Oui. Très important. On va progresser et puis parler maintenant de votre vie future de couple. Pour l'instant, c'est pas en vue parce que, comme elle a dit, ne dit-on pas que... On ne peut pas suivre de lire par la foi. Avec une intonation qui va avec. Avec l'intonation du poète qui va avec. Très bien. Mais celui qui doit venir devrait être comment? Comment vous le visualisez? Le premier caractère exigeant de ma part, il doit craindre Dieu. C'est la chose la plus primordiale. Craindre Dieu. Oui. Et c'est la base de toute chose. Être célibataire. Ensuite, venons-en donc aux autres aspects. Ça serait quoi qui viendrait en priorité? L'argent, la taille, financièrement stable. Donc, la stabilité financière est très importante. Oui, c'est très important. Mais vous avez aussi besoin d'être financièrement OK. Oui, bien sûr, pour être une inclinée. Voici la future animatrice, hein. C'est pas le style. Ouais, là, ça n'a rien à voir avec le chapeau. Oh. On sent qu'elle a grandi, qu'elle a bien grandi. Elle s'assume, elle a signé sa beauté, son corps. C'était où et quand? Son beau cuir chez ma grande soeur, lors de l'anniversaire de mon neveu. Okay. C'était la marraine? Pas du tout. Ah, mais tu étais dangereusement sapée. Oui. Bien habillée en tout cas. Merci. Alors, dans un an ou deux ans, vous voyez comment? Alors, dans deux ans, j'aimerais mettre en place une structure de communication, également une station. Station d'essence? D'essence, effectivement. Être dans le business du pétrole? Oui. D'accord. On est amis? Ah. Bref, il ne s'agit pas de moi. Bravo. Enchantée. Alors, on a presque terminé l'émission. D'accord. Est-ce qu'il y a un message fort à passer à la jeunesse ou aux jeunes dames? Est-ce qu'il y a un phénomène qui vous attriste et vous vous dites le jour que j'aurai l'occasion d'être en télévision, à la télévision ou dans un média, je parlerai de cela. Quel est-il? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est de s'armer de courage parce que la vie est faite de difficultés et se fixer également des objectifs et veiller à ce que ces objectifs soient atteints. On va se lever. Son instant, cette motivation speak, c'est un moment de motivation. J'espère qu'on va l'entendre. Elle a déjà commencé à le faire. Alors cette fois-ci, à le faire. Mais cette fois-ci, vous voulez vous adresser à qui pour la motivation? À tout le monde. À tout le monde, allez-y. Alors, j'aimerais dire que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et surtout n'abandonne jamais. D'après Xavier Dolan, toujours mets Dieu au devant et au centre de tout ce qu'on fait. Oh, c'est magnifique. Chapeau. Ben dis donc, vous êtes chanceuse. Si elles vous ont applaudi, c'est que c'est du bon. Parce qu'elles sont très critiques et très dures. Oh. Oui, donc cette fois-ci, on peut là. On peut faire ça. Et cette fois-ci, on vous applaudit en tout cas, bravo. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Ce fut un plaisir pour nous aussi. Ne dit-on pas que... Le plaisir fut plaisant. Et les grands esprits se rencontrent. N'est-ce pas? Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. Merci à la famille. Restez comme vous êtes. D'accord. Montez juste un peu la voix pour le micro pour les prochaines sessions d'animation. Je vous le promets. Et vous allez tenir votre promesse, c'est sûr. Merci en tout cas d'être venu et bravo. Merci beaucoup. Si vous voulez revoir l'émission d'Amenant, simplement allez sur YouTube, parlez à Stéphie et à Michel. Michel, je n'ai pas bien compris l'autopalpation, la sage, comment je fais. Retrouvez-la sur Facebook, 100% femme. Elle a eu un petit espace où elle échange avec vous. Stéphie également. Stéphie, j'ai un souci, j'ai besoin de parler, sinon je m'arrache les cheveux. Allez la trouver là-bas. Tiens, fais coucou taille.
mauvaise. Je plaisante. Bien sûr. Allez la trouver et avec beaucoup de plaisir, elle vous parlera. Stéphie a une expérience incroyable dans ce domaine en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le mastermind derrière tout ce qui est coaching, famille et tout ça. Alors, merci beaucoup. Merci à Clopa Art pour la décoration. Merci à Georgine Adassé pour le maquillage, Joël Aloka, Chilo Boutique pour les tenues que nous portons, à toute l'équipe technique voilà, qui a travaillé d'arrache-pied avec nous pour vous produire ces émissions. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. Bonsoir.